Il y a quelques mois, Miu Miu vivait un moment des plus douloureux, la perte de son compagnon. Gentelé est mort dans ses bras, des suites d'une intoxication alimentaire. Avant l'écrivain, elle a vécu d'autres belles histoires d'amour, notamment avec Julien Clerc, avec lequel elle a eu une fille, Jeannerie. À l'époque, avec le chanteur, elle habitait une belle propriété à la campagne dans laquelle elle recevait de nombreux invités VIP. Si est ce que rapporte en effet le réalisateur Marc Esposito, à qui l'on doit notamment le film Le cœur des hommes. Dans son ouvrage paru en 2019, Mémoire d'un enfant du cinéma, édition Robert Laffont, celui qui était alors journaliste pour Première côtoyait l'actrice. C'était au moment des valseuses, et Miu Miu avait alors été la première que Marc Esposito a pu interviewer. Leur relation amicale a alors tout de suite démarré. Après s'être rencontrés dans un bar en novembre 76, Miu Miu et Marc Esposito décident de faire une interview et des photos. Elle m'a proposé d'aller faire l'interview et les photos dans la propriété qu'elle habitait avec Julien Clerc, à la campagne, vers Auxerre, écrit l'auteur. J'y suis allé le week-end suivant avec mon camarade photographe Michel Picmal. Miu Miu avait 26 ans et c'était le début de son idylle avec Julien Clerc. Ils étaient vraiment comme deux tourtereaux, se souvient le réalisateur. Deux couples VIP papotaient dans le salon après ce premier week-end, Miu Miu m'a réinvité plusieurs fois, je dormais chez eux, il y avait toujours des amis ou la famille de Miu, tout le monde picolait beaucoup, sauf Julien, partage Marc Esposito. Parmi les amis qui défilaient dans cette propriété de nombreux VIP. Notamment Bertrand Labbé, agent et ami de Julien Clerc depuis ses débuts, qui y avait débarqué avec sa girlfriend de Catherine Deneuve. Passait aussi souvent, la sœur de Miu Miu, Marie-Claude Herry. Ce jour-là, Marc Esposito s'était isolé pour discuter avec elle et sa bande, laissant les deux couples VIP papoter dans le salon. Il y a quelques semaines, alors qu'ils sont séparés depuis des années, Miu Miu et Julien Clerc se retrouvaient au Grand Rex à Paris, afin de célébrer leur ami et artiste québécois Robert Charlebois.